Pas à Versailles? Vous êtes d'où pour de vrai? Vous êtes, Paris. Paris? Paris quoi? Paris premier. Paris premier, voilà. Bon, voilà. Non, j'y crois pas. Non. Trop limpide, trop Paris premier, comme non. Je vois pas bien les têtes, alors je peux pas définir un petit peu. La prof de tout, t'es d'où, la prof de tout? Hein? Jouy? T'es prof d'orgasme aussi, en même temps? Tu n'y as pas cru, Clément, toi, mes problèmes de santé, tu n'y crois pas. Hein. Toi, j'ai senti. Toi, tu connais pas le mot, tu n'y crois pas. Toi, t'es un premier de la classe, mon Clément, on sent. Hein. Si t'as pas vu ça dans un bouquin, aux informations, la télé, tu n'y crois pas. T'es comme ça, c'est pas grave, hein, tu verras. C'est dommage. Voilà. Non, et je te dis un truc, parce que je t'aime beaucoup, dans la vie, il n'y a pas que les bouquins pour apprendre. Il y a d'autres façons de se cultiver, il y a d'autres façons de savoir, il y a d'autres façons de connaître, il y a d'autres façons d'entreprendre, il y a d'autres façons de s'ouvrir. C'est tout. Toi, depuis que t'es petit, tu crois que tu sais tout? Tiens, est-ce que tu sais par exemple que les Américains n'ont jamais vraiment marché sur la Lune? Tu le sais ça? Si les Américains, ils avaient vraiment marché sur la Lune, pourquoi sur les images, le drapeau, il bouge au vent, alors qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune? Parce que ça a été fait en studio, mon pote, hein. Toi, tu vois les conneries qu'on t'a apprises à l'école? Oh, la Terre, elle est ronde et elle tourne. La Terre, elle est plate, mon pote. Si la Terre était ronde et qu'elle tournait, l'eau dans les piscines, ça tient comment? Tu sais pas, t'es comme un con, tu sais pas, tu vois? Toi, tu crois les conneries des écologistes? Oh, le réchauffement climatique, ça crée la montée des eaux. C'est des conneries, ça! C'est parce qu'on bouffe de plus en plus de sucre, on est de plus en plus lourd, et c'est les continents qui s'enfoncent! Mais moi, je sais tout ça, parce que tous les soirs, je vais sur YouTube, mon pote! J'apprends autrement, je me cultive malin, moi! Toi, depuis que t'es petit, t'es là, oh, je sais, tu sais rien, mon gars! Tu sais ce que c'est, ça? C'est un nazi à qui manque 4 doigts, ça! Tu sais que Hitler n'est pas mort en 45, Hitler il est mort en 91, il s'est réfugié au Brésil, il a ouvert un bar à salsa! Le Wunderbar Morito! Michael Jackson non plus n'est pas mort, il s'est réfugié sur une île! L'île aux enfants! Et moi, je sais tout ça parce que tous les soirs, YouTube, YouPorn! Toi, tu crois les conneries qu'on te raconte aux informations? Oh, le 11 septembre, c'est des avions qui sont rentrés dans les tours. C'est des conneries, ça! C'est expliqué sur YouTube! C'est les tours qui sont rentrés dans les avions! Et tous les juifs traînent dans les tours, ils ont été prévenus la veille de ne pas aller travailler! Allô, David, va pas travailler! Allô, Moshe, va pas travailler! Allô, Bernard? Ah non, je suis trompé de numéro! Tu le sais que je suis franc-maçon? Moi, en plus, je ne le savais pas. J'ai été sur YouTube. Toi, tu crois que le monde est dirigé par des hommes? Le monde est dirigé par des reptiliens. Des gens moitié hommes, moitié reptiles. Sinon, pourquoi Obama, sur certaines photos, il a les yeux rouges? Parce que c'est un reptilien. Pourquoi Bob Marley, sur certaines photos, il a les yeux rouges? Non, parce qu'il a été foncé, tu sais rien. À ton avis, pourquoi on n'a jamais vu dans la même pièce Kim Jong-un et Donald Trump? Parce que c'est la même personne, mon pote, hein. Toi, tu crois que le sida, ça a été créé par le laboratoire de pharmacie pour qu'on achète des capotes et des traitements? C'est pour ça que dans les années 80, t'as plein de vedettes qui faisaient semblant d'avoir le sida. Elles étaient sponsorisées. Freddie Mercury, il n'est pas mort. Il s'est réfugié sur une île. L'île au PD. Toi, tu crois que Macron a été élu comme ça? Macron a été élu parce que c'est un Illuminati. C'est pour ça qu'il a fait son discours devant la pyramide du Louvre, qui est le symbole des Illuminati. Et sa femme, elle l'est aussi. Brigitte, elle n'a pas 68 ans. Elle a 132 ans. Mais moi, je sais tout ça parce que tous les soirs, YouTube, YouPorn, une tête bien pleine, sur les couilles bien vides.